Bonjour, j'accueille aujourd'hui John Catalinotto, un ami de longue date aux États-Unis, à New York. On a beaucoup milité ensemble pour la paix contre les différentes guerres, Irak, Yougoslavie, Libye, tout ça. Donc, on a l'habitude de se retrouver quand ça va mal, on va dire. Et John est un infatigable militant aux États-Unis pour la justice sociale et pour la paix, les deux étant très étroitement liés. Et donc, je pense qu'il va nous apprendre des choses très intéressantes. D'abord, John, comment est la situation à New York où tu vis? Oui, c'est très difficile ici à New York. Moi, naturellement, je suis presque tout le temps chez moi parce que je suis un peu âgé. Mais je suis dans la congrégation vulnérable. Je peux entendre toutes les choses qui arrivent ici. Et je sais que New York, c'est le centre, c'est l'épicentre de la pandémie aux États-Unis. Et c'est peut-être parce que c'est la ville qui était le plus Concentré. concentrée, oui, concentrée. Et même en comparaison avec Californie, il y a une semaine en retard pour confiner, pour le confinement des personnes. Oui, Et c'est à New York qu'il y a le il plus y a de... toujours, dans l'État de New York, je crois, c'est 18 000 personnes qui étaient mortes. 18 000 dans l'État de New 18 000 York. dans l'État de New York. Dans la ville de New York, c'est plus de moitié de ça, c'est plus de 10 000. C'est quand même une situation très grave parce que la population des États-Unis, c'est 4 fois moins, pardon, que la population de la Chine. Et vous avez déjà énormément plus de morts alors que la Chine a été le premier pays à affronter ce nouveau virus. Donc c'était compliqué. Et là, vous avez beaucoup plus de morts. Comment ça se passe pour les infirmières, pour les soignants, les gens dans les hôpitaux? Si, ça dépend de l'hôpital, mais pour le plus pour New York, c'était le pire et pour les travailleuses en hôpital, les infirmières, les médecins même. Parce qu'ils doivent travailler toute la journée. Ils sont exposés à toute le virus, toute Ils une sont dans le... grande. Il y a beaucoup de virus dans son environnement Ben parce oui. qu'ils soignent les malades. Et il y a un manque on dit le PPE ici, le Personal Protective Equipment. Oui, les équipements manquent, comme en Équipement. Europe. D'ailleurs, ça a été un gros problème en France, en Belgique aussi. Les soignants n'avaient pas de masque, pas Il n'y a moyen pas de se de masque, protéger, le pas de grand test. problème, le masque, pardon. Oui. Et le masque N95. Oui. Il y a beaucoup de protestations d'infirmières. Je montre ici des infirmières avec des revendications sur leur voiture. Je montre l'image justement des nurses dans un hôpital. Je traduis, les infirmières ont besoin de PPE, donc de masques. Et d'ailleurs, on voit que certains infirmières et infirmiers ont des masques et d'autres n'en ont pas. Ils mettent leurs mains devant leur bouche. Donc, c'est quand même très étonnant parce que je travaille depuis plusieurs semaines à fond là-dessus. Et je suis tombé sur un article récemment qui était paru l'année passée sur Internet que je montre à l'écran. Les pays les mieux préparés à traiter une pandémie, c'est un article de 2019 donc, et on met les États-Unis en numéro 1 mondial comme étant à 83% bien préparés, puis le Royaume-Uni de Johnson à 77%, etc. Tous des pays occidentaux d'ailleurs, qui en général ont très mal fait. Comment c'est possible que les États-Unis, on leur a dit, vous êtes les mieux préparés, et en fait, ils ont l'air d'être les derniers de la classe, très mal préparés. Oui, c'est très mal préparé. Je crois que c'est une question de l'existence d'un capitalisme sauvage ici aux États-Unis. Et on a organisé, comme tout le monde, on a organisé la société, l'économie,
pour faire des choses à dernier instant. Et on n'a pas une warehouse, une collection de toutes les choses. C'est ce qu'on appelle la production just in time, last minute. Just in time. Pas créer des stocks parce que ça rapporte. Pour maximaliser les bénéfices. Oui. Donc ce point ici est important parce que dans le monde entier, on se demande pourquoi il n'y avait pas de masques et de tests et de lits d'hôpitaux parce que la pandémie n'est pas une surprise. Quelqu'un que tu n'aimes peut-être pas, mais bon, qui n'avait pas tort dans cette question, Bill Gates avait annoncé que la pandémie était, plus que le nucléaire, la plus grande menace pour l'humanité. On a des rapports de la CIA, donc de l'autre côté politique, mais c'est clair, on a des rapports des experts de la santé publique aux États-Unis qui disaient une pandémie peut arriver ou va arriver, c'est très grave, on n'est pas préparé, et vous n'êtes toujours pas préparé. Pourquoi ? Parce que ça ne rapportait pas de faire des stocks ou... Oui, c'est un rapport avec les, on dit bénéfices pour profit. Oui. C'est une question de bénéfice. C'est toujours le bénéfice qui est le plus important pour la classe dirigeante aux États-Unis et dans tout le monde. Et on organise la société pour maximaliser les bénéfices. Ou les profits, les deux sont bons. On en fait vos profits. Merci si on d'ailleurs. Fait des choses comme ça, c'est pas pour sauver les vies, c'est pas pour avoir une vie plus humaine, plus intéressante pour tout le monde. C'est une question seulement pour le profit. Et on fait beaucoup d'erreurs quand on fait des choses comme ça. Mm-hmm. Et c'est pas toujours des erreurs. On fait les choses comme ça pour gagner beaucoup, pour une petite partie de la population. Et c'est eux qui dirigent. C'est l'économie au service du 1%. Oui. Bien, j'en profite pour féliciter John pour son français excellent. Il n'a pas beaucoup l'occasion de le pratiquer, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est quand même très très bien pour nos lecteurs. Merci aussi d'être avec nous parce que là il est 6h du matin, donc après un petit café, directement en contact avec l'Europe. Je reviens sur cette question de masque avec deux images qui montrent qu'effectivement c'est donc le fric qui l'emporte sur la santé de l'humanité. Ça veut dire qu'on est dans un système économique qui est carrément dangereux pour la vie de beaucoup de gens. Oui, c'est une question. Je tends les images. Je les ai montrées aux spectateurs, mais oui, c'est... Oui, c'est embêtant parce que c'est les infirmiers et les autres comme ça, les autres travailleurs de l'hôpital, des hôpitaux qui font des manifestations pour demander les masques des PPE, pour l'équipement pour protection personnelle. Oui, oui, on a montré ces... On a dû user le même masque jour après jour. On doit le laver. C'est le lavage d'un masque. Oui, alors que normalement c'est impossible. On doit utiliser de nouveaux masques parce qu'ils ne sont plus efficaces. Alors, à propos de ce qu'on disait là il y a un instant, les États-Unis, finalement, pays le moins préparé, il y avait une caricature qui a circulé. J'ai pas réussi à la capter pour vous la montrer aujourd'hui, mais je vous la raconte. On voit d'un côté le mur entre les États-Unis et le Mexique, et d'un côté il y a Trump, et de l'autre côté il y a López Obrador, le président du Mexique, qui donc dit à Trump, vous avez vraiment beaucoup de morts, est-ce que vous ne pouvez pas relever un petit peu votre mur ? Donc, c'est pas mal pour l'arrogance de l'impérialisme des États-Unis qu'on se rend compte que c'est la plus grande puissance au monde, mais ils font très mal. Oui, et Trump est spécial. Trump est le plus arrogant que tous les arrogants ici aux États-Unis. Et il a fait beaucoup d'erreurs aussi avec cette pandémie parce que. Au principe, il a dit que ce n'est pas une chose très grave.
Parce Oui, il a dit que c'est un gros rhume, c'est une grippe. tous les amis sont de la classe dirigeante des États-Unis, ils sont des plus riches et il a voulu que l'économie, que la fabrication continue. Sans ça, on ne peut pas avoir de plus-value qui est créée par les travailleurs. Donc la Je ne sais raison pour pas laquelle si Trump n'a ça pas aurait été soigné la population, c'est parce qu'il voulait préserver les profits des multinationales, il ne voulait possible. pas arrêter les entreprises. Oui, c'est ça. C'est la C'est même ça. chose qui s'est Et aussi, passé en parce qu'il est très arrogant, il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire. S'il dit quelque chose un jour, et si cette chose n'est pas vraie et c'est dangereux pour lui, le prochain jour, il dit, donc, je n'ai pas dit ça, j'ai dit quelque chose, j'ai dit une autre chose, et c'est moi qui ai sauvé et tout. Il a toujours Et raison. il a toujours raison, oui, il a toujours raison. Alors, ce qu'on a remarqué ici, c'est qu'il y a quand même des grandes contradictions dans l'élite des États-Unis. Là, je suis en train de montrer M. Fauci, qui est donc le responsable de la santé publique maintenant face à cette crise, et Trump qui est derrière lui. Ils sont pas vraiment d'accord sur la pandémie quand même. Oui, il n'est pas d'accord, parce que Fauci est un science scientist, oui, il C'est un est un scientifique. scientist, un médecin, scientifique, et il est responsable pour combattre les épidémies et les pandémies, et il n'est pas stupide. Il a carrément dit le contraire de Trump, plusieurs fois. Oui, j'ai vu la première conférence de presse que Trump a fait. Et il a fait et quand Fauci était au podium pour parler, tous les reporters, tous les journalistes a dirigé ces questions à Fauci. Et j'ai vu le face de Trump. Il était enragé. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Parce que c'est toujours Trump qui est le centre de l'attention de tout le monde. Ou pas, ça ne marche pas. Et j'ai compris à ce moment, c'est Fauci était une condition de contradiction avec Trump. Donc, il y a quand même des contradictions aussi dans le monde dirigeant des États-Unis. Il y en a qui pensent que la méthode Trump, finalement, ça va faire plus de tort à l'économie, non? Oui, parce que ouais, il y a une situation difficile pour tout le monde. Ce n'est pas des décisions faciles pour combattre cette pandémie. Mais il a fait des choses terribles, je crois. Mais je ne suis pas expert de combattre les pandémies et il y a beaucoup d'inconnus sur ce virus. Oui, Et, c'est clairement mais, complexe. mais c'est dans, c'est, je crois que c'est au moment qu'on peut voir que la société capitaliste était mal organisée pour combattre cette menace à l'humanité. Oui. Et c'est la même chose avec la crise de climat. Oui, la Oui, crise de l'environnement, la crise le climatique. environnement, c'est la même chose, mais la crise de l'environnement, c'est pour un espace de 30 ans, et si ici c'est une crise de mois, Oui. elle a explosé que la société capitaliste est mal placée, organisée pour le combattre. Même que la Chine a un succès, on peut dire succès, mais elle a même arrêté. Beaucoup, beaucoup plus efficace. Beaucoup plus efficace parce qu'il a pu contrôler l'économie, la société, la fabrication. Il a pu arrêter tout à un moment. Il a eu la confiance de la plupart de la population et on a pu arrêter. On va pour le moment. On va voir qu'est-ce qui va arriver quand on recommence, mais au moins on a la possibilité de le contrôler. Je vois qu'est-ce qui va arriver en Italie et en France quand j'ai lu que Macron a voulu ouvrir
la fabrication, la société au mi-mai, 11 de mai ou quelque chose comme ça, et ça va être un problème. Oui, je pense aussi que c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le virus va de nouveau beaucoup circuler. Macron et en Belgique aussi, c'est la même chose. On veut rouvrir les écoles parce que les enfants sont pas, ils sont contaminés, mais ils n'en souffrent pas énormément. Mais ça veut dire qu'ils vont contaminer beaucoup d'autres personnes et que donc pour relancer les usines, on va avoir beaucoup de victimes, on va tuer beaucoup de gens. Le parallèle que tu fais avec le climat est intéressant parce que samedi, j'ai interviewé ici Hervé Kempf, qui est le rédacteur en chef de Reporter, un site consacré à une écologie radicale, et effectivement, qui disait la même chose, que le capitalisme ne peut pas résoudre le problème du climat et qu'il est très responsable de la gravité de ce virus. À propos de l'emploi, ça veut dire que maintenant, il y a d'après les derniers chiffres, 22 millions de gens qui ont perdu leur emploi aux États-Unis. Vous avez un système un peu différent de notre sécurité sociale européenne, donc ça veut dire que beaucoup n'ont pas d'assurance maladie pour se soigner, ils vont devoir payer eux-mêmes tout. Oui, ça dépend du type de licenciement. Parce qu'il y a des gens qui ont dit furlough. Et pour la plupart, l'assurance de maladie reste. Mais pour la plupart, il n'a pas perdu la maladie, l'assurance de maladie. C'est compliqué parce que c'est un peu bizarre que dans un espace de 4 semaines, on a perdu 22 millions d'emplois. Mais c'est parce qu'il n'y a pas de protection pour les travailleurs ici, même comme en Europe. Même si on a perdu beaucoup en Europe pendant les derniers 30 ans, après la chute de l'Union soviétique. On a perdu beaucoup aussi en Europe, mais il y a un peu de protection pour les travailleurs, Oui, mais pour il y a les encore un licenciés, remboursement tout des ça. soins et tout Mais ça. c'est une décision de la direction des sociétés pour les licenciements. Et on peut décider d'un jour à l'autre pour faire des choses comme ça. Et il n'y a pas de protection. Les travailleurs sont mal organisés dans le syndicat. Pas syndicalisé, je crois que en Belgique, c'est le plus grand pourcentage des travailleurs sont syndicalisés. Ici, c'est 10%. Il n'y a pas beaucoup de protection. On a décidé, il y a une nouvelle loi. On dit pour stimuler. Pour protéger les personnes. On a passé Mais pour vous avez déjà eu cette doubler. discussion avec Obama qui voulait introduire un Obamacare, donc une sorte d'assurance maladie. C'était Ouais. la solution? Non, ce n'est pas une solution universelle, c'est une solution qui pour peut-être 30 millions de personnes qui n'étaient assurées avant l'Obamacare, il a assurance maintenant. C'est beaucoup mieux que rien. Mais ce n'est pas une solution universelle et si on a fait attention aux campagnes pour la présidentielle aux États-Unis, quand Bernie Sanders a fait son campagne, il a campagné pour une soi-disant Medicare pour tous. Medicare, c'est une assurance universelle pour les gens qui est en retraite, qui ont plus que 65 ans. Oui, mais l'establishment du Parti démocrate a liquidé la candidature de Sanders, Oui, donc ils ont liquidé et avec. il ne veut pas, et Joe Biden ne veut pas campagner des choses comme ça. Avec Biden, on n'aurait pas du tout une amélioration, hein.
Non, Et non, dans la présidence Obama, non. Donc, Biden, Clinton, l'amélioration, s'il y a une amélioration, est-ce parce que Trump est si pire que comme j'ai dit en avant, c'est comme Caligula dans la Maison Blanche. Oui, il se comporte un peu comme un fou là-dedans maintenant. Je voudrais venir à la question justement, Trump. Il s'est beaucoup exprimé de façon assez raciste envers les étrangers, comme quoi le problème venait de l'extérieur. J'ai ici une image que je suis en train de montrer où on voit le pupitre de son discours, où il est en train de lire son discours, et il a remplacé le mot coronavirus par Chinese virus. Donc, c'est sa méthode, ça, le racisme? Oui, c'est son méthode de préférence. C'est l'appui pour Trump, pour la plupart, c'est basé dans les racines sont de racisme. Et de racisme, de xénophobie, misogynie. Et des choses comme ça, c'est ça que Trump a gagné les élections, même si sa compétition n'est pas très bonne aussi. Oui, Hillary Clinton. Mais dans les questions comme ça, c'est Trump qui est l'expert. Et il connaît son basse. On dit ça, basse, Oui, c'est. elle a une très grande démagogie pour diviser. Alors Oui. justement, Trump et la Là, Chine. il a attaqué la Chine parce que c'est toute la classe dirigeante des États-Unis sont contre la Chine. C'est la concurrence commerciale et c'est aussi organiser un autre type de société. C'est parce que c'est une société, on peut dire socialiste, même s'il y a des capitalistes en Chine. Et la Chine, pendant cette pandémie, on peut voir que c'est mieux organisé, beaucoup mieux organisé pour les États-Unis pour le combattre. Et il a voulu attaquer la Chine. Et aussi, il cherche toujours des chèvres expiatoires. Ben oui, le bouc émissaire. Bouc Le émissaire, bouc bouc émissaire. émissaire, oui. Il y avait quelqu'un qui faisait remarquer justement que le problème, c'est qu'aux États-Unis et en France, les présidents sont des employés, et qui faisait justement le parallèle en disant le président Macron en France, il obéit aux banquiers, tandis qu'en Chine, les banquiers obéissent au président. Oui. Je voudrais venir sur la question de la guerre. Il faut rester bien dans l'image, merci. Je voudrais venir sur la question de la guerre. On a vu Trump très agressif envers Cuba, qui est venu aider toute une série de pays, ils ont envoyé des médecins en Italie, etc., dans beaucoup de pays pour aider la population, mais il continue à être très agressif. Il a massé des troupes à la frontière du Venezuela pour attaquer le Venezuela, alors que ce pays a déjà beaucoup de mal à soigner son système de santé qui était bon, a été détruit par les sanctions et on bloque l'argent du Venezuela dans les banques internationales. Donc, Trump, est-ce qu'on peut dire que si les États-Unis sont mal préparés, c'est parce qu'on a mis tout l'argent dans la guerre? Ouais, ça a aidé, c'est le manque de préparation. C'est pas la seule question, je crois. Mais l'équipe de Trump, c'est pas dans les questions de guerre et de paix, c'est pas Trump qui décide toutes les choses comme ça. Mais il a une équipe autour de lui qui était guerriériste, militariste, comme Michael Pompeo, le secrétaire d'État, et les autres qui. Pardon, parce qu'il y a beaucoup Ça de va, tu bruit peux ici, continuer. parce qu'on ramasse les poubelles. C'est la vie quotidienne, mais on t'entend très bien. Je suis dans le deuxième étage. Nous, on les entend moins que Et toi, c'est donc pas tu peux continuer. grave.
Ils ont essayé de faire un changement de gouvernement à Venezuela. Un coup d'État. Coup d'État, ça commence en janvier de 2019 avec ce Guaido. Mais ça n'a pas réussi, pas du tout. Heureusement, avec Mais la question de la guerre, on essaye toujours, oui. parce qu'on n'a pas pu faire avec le droite vénézuélien. Pour faire des choses comme ça, on doit avoir une intervention militaire, peut-être de Colombie et des États plus à droite d'Amérique latine avec les Brésil. navires états-uniens. Oui, Mais oui. c'est très difficile pour faire une guerre juste avant les élections aux États-Unis. C'est Trump. Il aussi a peu des choses comme ça. Mais Si, ils aimeraient bien d'avoir une guerre. C'est toujours une manière de gagner une élection en disant, voilà, tous avec le président. c'est une autre discussion. Oui, très bien. À propos de l'armée, on a appris qu'il y a un porte-avions aux États-Unis dans lequel il y a 600 marins qui sont contaminés. Et que Trump, comment il a réagi à ça? Trump n'a dit beaucoup, mais le gouvernement de Trump, c'est intéressant parce que la commandante, le capitaine qui était le capitaine de l'USS Theodore Roosevelt, Oui. cette porte-avions, a demandé, a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au Pentagone pour demander que ces marins pour laisser le navire pour se séparer parce que c'est trop promiscué, on dit, La dans promiscuité, oui, dans un. et la lettre a été publiée dans un journal en San Francisco. C'est dans le public. Et le secrétaire de Navy aux États-Unis a licencié le capitaine. Le capitaine était applaudi par son Un crew, équipage. par l'équipage, oui. Et le prochain jour, le secrétaire de Navy a dû faire son retraite. C'est une lutte entre les dirigeants du Pentagone sur comment agir, parce qu'ils ont un problème en général dans l'armée, surtout dans les grands navires, mais aussi dans l'armée de terre, parce que tout le monde vit ensemble et il y a beaucoup de possibilités. Pour la Et les soldats contamination. ont demandé, il est en question que où se trouvent les soldats ordinaires et les marins ordinaires aux États-Unis à ce moment, parce que c'est une armée professionnelle, on peut dire, parce que ce n'est pas une armée de conscription, mais en même temps, ils sont des travailleurs en uniforme. Et s'ils sont utilisés pour réprimer.